aux barres asymétriques, on se rend compte de l'effort physique qui est celui des anneaux. Elvire Teza aux barres asymétriques. Elvire Teza, virtuose aux barres, un autre style. Ça n'est pas Isabelle Severino, c'est davantage porté, voyez-vous, sur les changements de face. Ici, un lâcher qui s'appelle un Jäger. C'est donc un saut périlleux avant. Et ici, une difficulté en tour dorsal. Changement de face. Il faut remonter sur cette grande barre. Lune dorsale avec double saut périlleux avant. Parfaitement maîtrisé. Je pense pas que la petite hésitation à la réception lui coûte trop cher. Ce petit sursaut est rarement énormément pénalisé. Ouais. Peut-être Eric, s'il y avait une médaille d'or dans une finale en cause, il est certain qu'il faut rester collé au tapis. Oui, c'est ça. Mais là, c'est tout à fait dans la norme. Bon, il y a un petit écart de jambe. C'est vraiment une petite faute. Oui, c'est une toute petite faute. Une petite récupération. Ouais. Bon. Elle est astucieuse. Plutôt que de faire un pas, eh bien, avec le métier, elle a préféré faire un petit sursaut. Enfin, un mouvement réussi qui va lui amener, je pense, une bonne note. Certainement. Sous-titrage